Le résumé. Nom de plume est une nouvelle de Micheline La France, où elle raconte l'histoire d'un Jules Montblanc, un homme lâche, timide et indécis. Faible de personnalité, il se laisse diriger par les autres. Il subit tous les malheurs causés par son ami Combus, sans protester. Il accepte tout avec résignation. Les personnages. Les personnages principaux. Jules Montblanc, personnage central de la nouvelle. Il a fait la majorité des actions. Il est l'axe des événements principaux de la nouvelle. Ses interventions sont spontanées et non planifiées. On lui a volé le nom et l'identité. Joël Combus, il a des interventions importantes dans la nouvelle. Il est le seul qui a cru Montblanc. Ses interventions sont bien planifiées. Il est l'un des amis de Jules Montblanc. Il est l'auteur réel des deux romans. Les personnages secondaires. Chantal, femme de Jules Montblanc. C'est elle qui a découvert la publication du premier roman. L'éditeur du roman. Il ignore lui aussi que ce n'est pas Jules l'auteur du roman Old Harry. Il est d'origine québécoise. Un nouvel ami de Jules. Il a raconté son histoire à Jules Montblanc. Personnages décoratifs. Les collègues de bureau de Jules. Les clients au café de Old Harry.